Le cinéaste américain Wes Craven, maître du cinéma d'épouvante, est décédé dimanche à 76 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Premier succès colossal dans les années 80 avec la série des Freddy, horrible personnage au visage brûlé qui terrifie les adolescents. En 1996, Wes Craven récidive avec Scream. Le terrifiant masque fantôme devient l'emblème d'une série qui générera 600 millions de dollars de recettes dans le monde. Son secret pour faire peur, Wes Craven le révélait bien volontiers à chaque passage sur le tapis rouge. I've always felt like what I'm afraid of is basically what the audience is afraid of, so you just talk about it and play with it. You know, in a strange way, it's a good feeling to be afraid and scared in a safe environment. You know. Véritable découvreur de talent, Wes Craven avait donné sa chance avant tous les autres à des acteurs devenus stars aujourd'hui, Johnny Depp ou encore Sharon Stone.